Salut à tous, c'est Bricoltou. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment récupérer le ballon qui se trouve à l'intérieur d'un chauffe-eau électrique, donc la cuve métallique. On pourra faire un des deux projets. J'hésite entre deux projets en fait pour tout vous dire. Donc là, ce qu'on voit à la vidéo, c'est par là que je vais commencer. Enlever toute la partie électrique, déboulonner toute la résistance, tout retirer. Et on enlèvera ensuite les pieds de fixation. Le rhabillage blanc et bien sûr pour finir toute la mousse expansive. Là en l'occurrence on voit du polystyrène, mais normalement c'est de la mousse expansive. Donc oui, je vous disais, j'hésite entre deux projets. Alors je pense que je ferai plutôt celui d'un dégazificateur parce que je voudrais l'utiliser dans le garage principalement. Et celui que j'hésitais, c'était un genre de rocket stove, un peu modifié, de façon à ce qu'il y ait un fourneau à pizza flamme qui soit incorporé dans celui-ci, et une soufflerie pour également chauffer le garage, quoi. Donc, je ne me suis pas encore décidé à 100%. Pour l'instant, je vais déjà récupérer ma cuve, et dans la prochaine vidéo, j'aurai fait mon choix, et donc ce sera plusieurs vidéos, étape par étape, pour le projet choisi. Donc là, maintenant, je suis actuellement en train de déboulonner le corps, la résistance, pour la retirer. Les boulons, les écrous, tout ça, les rondelles, je vous conseille aussi de les garder, parce qu'à force de bricoler, on en a tout le temps besoin. Et au début, je jetais tout, c'est vrai. Et je me suis mis à tout garder, parce qu'on a tout le temps besoin d'une vis ou d'un écrou. Et quand vous ne l'avez pas, là c'est bien embêtant d'aller en ville pour en chercher un. Donc là j'arrive au bout. En général ça va bien, c'est pas grippé, rien, ça se démonte tout seul. Donc voilà, là j'ai retiré tous les écrous. Maintenant je coupe, j'aurais pu le dévisser, hein, mais je le coupe, ça va plus vite. Voilà, ça s'est retiré. Donc je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez là, quand vous réglez la puissance de chauffe de votre chauffe-eau, bon là celui-là il était sur 4, juste devant le tournevis il y a comme un petit bouton poussoir qui est gris. Des fois c'est rouge, ça dépend le cas, dépend les chauffe-eau en fait. Si votre chauffe-eau un jour il chauffe plus, et vous dites putain ça y est mon chauffe-eau il est foutu, faut que je le change. Déjà premièrement vérifiez si vous avez du jus qui arrive dessus, donc vous le mettez en marche forcée avec un testeur en dessous, vous regardez si le jus arrive. Et si le jus arrive, regardez ce petit bouton si des fois il est pas sorti. En fait s'il est sorti, c'est qu'il s'est mis en sécurité, il l'a déclenché, c'est comme un fusible on va dire. Il vous suffit avec une aiguille de le renfoncer, et s'il tient, qu'il ne disjoncte pas systématiquement, s'il tient, vous verrez que votre chauffe-eau, il y a de grandes chances qu'il se remet en route et que ce n'était pas si grave que ça en fait. Et ça peut repartir pour un petit bout de temps. Donc là, je vous ai montré à l'instant ce que j'allais découper. Hein, donc tout le tour en haut, le tour du bas au niveau des jonctions. Et on va le découper de chaque côté sur toute la hauteur aussi. Donc là, j'attaque au niveau de la jonction, hein, le premier couvercle supérieur. Et je vais faire tout le tour. J'y vais à la disqueuse. Plus rapide, ça fait un peu de saleté, mais c'est quand même plus rapide. Bon, ça c'est la partie la plus longue, c'est celle qui vous prendra le plus de temps, quoique ça va assez vite. Vous voyez, hein, ça va vite quand même. J'ai presque fait la moitié. Hein. Quand j'ai terminé, donc voilà, en bas, en haut et de chaque côté sur toute la hauteur, une petite découpe. Je ne vais pas chercher en profondeur, hein, j'ai juste coupé la tôle fine. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre un pied de biche et extraire toute l'enveloppe blanche, de la fine tôle. Alors, elle colle un peu, hein. C'est vrai qu'au début, elle adhère un peu, mais dès que vous avez une amorce, vous voyez, ça va bien, ça se retire tout seul.
après, il n'y a pas besoin de forcer ou de tirer dessus comme un malade. Hein. Avec le pied de biche, ça va bien. Alors, la tôle, vous pouvez la réutiliser pour autre chose. Moi, en l'occurrence, je pense pas que je vais la garder. J'ai pas de projet. Et là, on commence à voir le ballon intérieur, hein, la citerne ou le temple, vous appellerez ça comme vous voulez. Mais c'est la partie qui nous intéresse. Donc là, pareil, le pied de biche. Vous voyez, la mousse polyuréthane, elle s'enlève toute seule, ça va bien. Il n'y a pas de résistance. Alors après, si votre épouse bricole aussi souvent des arrangements de fausses fleurs, hein, dans des vases, des pots, etc., ben, vous pouvez lui garder des morceaux de mousse polyuréthane. Parce qu'au début, c'est vrai que moi, je ne pensais pas la garder, mais mon épouse, quand elle l'a vu, elle m'a tout de suite dit « Oh là là, garde-moi-en ! » À Sarrebourg, quand je dois en acheter, ça coûte assez cher, et là, il y en a plein, en fait. Donc voilà, si votre femme bricole, pensez à lui garder un peu de mousse, pour piquer ses fleurs, et elle sera contente. Donc là, on voit bien le tonneau, le ballon, la cuve qui va nous servir après pour le projet. Un des deux projets, donc soit on se fera un petit rocket stove modifié avec un four à pizza flamme intégré sur le dessus, soit on va faire un genre de dégazificateur avec également peut-être un four à pizza flamme incorporé sur le dessus, mais complètement isolé à part quoi. Donc voilà, au niveau des rebuts, donc qu'est-ce que j'avais? J'ai gardé, donc je vous dis, les boulons, les écrous, tout ça, les rondelles, il n'y en avait qu'une. J'ai gardé les pieds, ça peut servir pour les bouteilles de gaz, pour autre chose. La fameuse mousse là, ça sera pour mon épouse. Et juste à côté, vous verrez, j'ai deux sacs de 100 litres que je mettrai à déchetterie. Et puis la ferraille, je vais la garder ou je vais l'acheter, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais la débarrasser. Bon, ben voilà pour cette première vidéo, comment ouvrir un ballon d'eau chaude. Hein. On se retrouvera par la suite pour la suite du projet. Donc, je remercie tous les abonnés. Je vois qu'on est passé les 220, si je ne me trompe pas. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine.